Good morning, allez, Daniel, tu seras aujourd'hui Elohim Nishmat, Léa Chaya Bat Mazal Tov, Claude Shlomo Ben Shalom et Lucien Batrina. Si vous souhaitez, vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah. Contactez les 5 minutes éternelles. Nous étions aujourd'hui Maseret Sota Perektet, Mishnah Zain, Nimtsa Ha'oreg, Al-Shelon E'erfa Ha'egla, Tetse Vetir E'ba'eder, Mishne E'erfa Ha'egla, Tikaver Bimkoma, Shal Safek Bat Mitrilata, Kipras Feka Ve'alchala. נערפה העגלה ואחר כך נמצא האורג, הרי זה יהרג. On approche la fin du rituel de la Egla Arufa. Après, on va rentrer dans plus de petits détails concrets, mais on ne sait plus dans le rituel concrètement comment le réaliser. Je rappelle très rapidement, en quelques mots, on est dans Parashat, fin de Parashat Shoftim. On trouve un mort entre deux villes. D'abord, les sages d'Yerushalayim viennent, mesurent de quelle ville est-il le plus proche. Les sages de Yerushalayim se retirent, et à présent, on va voir les sages de la ville, elles-mêmes, qui vont s'occuper de faire la caparade, la Egla Arufa. Le mort, on l'enterre sur place, là, on l'a trouvé, comme on avait vu dans la Mishnah plus haut, je ne sais plus, Mishnah Gimel, je crois. Il y avait ensuite, on a fini d'enterrer le mort, on s'occupe maintenant de faire le rituel de la Egla Arufa. On va porter une génisse qui n'a jamais porté de joug, on va la descendre dans un Nahal Etan, dans un endroit où il y a, selon Rashi, un lit de fleuve, mais qui est justement très sec et aride. Et là-bas, on va la porter, la Egla Arufa, on va l'énuquer, on va lui briser la nuque avec une hache, de pas derrière, on lui brise la nuque, elle tombe, on enterre la vache là-bas, la vachette, la petite génisse, et les Kohanim, avant d'enterrer, on va d'abord se laver les mains, ils vont se laver les mains sur place. Cet endroit-là, ce sera un endroit qu'on ne pourra plus exploiter. Ils vont se laver les mains et ils vont déclarer qu'ils n'ont pas, ils n'endossent aucune responsabilité de ce qu'il y a eu. Ils ont accompli leur devoir de veiller à ce que les gens qui passent dans leur ville soient bien nourris, dirigés, organisés. Ils n'ont rien entendu, aucun écho, ils n'ont pas de responsabilité sur ce qui s'est passé. Il y a plusieurs méfarchines qui ont expliqué exactement, précisément, c'est quoi ces déclarations qu'on a vues dans la méchade précédente. Une fois qu'on a fini, les Kohanim eux-mêmes déclarent, prient Hachem. Hachem, on a fait ce qu'il fallait, à présent, toi, expie le sang qui a été versé. Et ne laisse pas le sang gratuit qui a été versé sans vengeance. Le Midrash, je vous le devais, j'ai plus de précision maintenant, ça rapporte aussi dans le Targum de Nathan sur place, il nous raconte qu'il y avait, sur place, il y avait des vers qui sortaient de la petite génisse qui a été énuquée, des vers qui sortaient et qui allaient se diriger là où se trouvait le mort, là où se trouvait l'assassin, et on trouvait comme ça ainsi l'assassin et on le condamnait et on le tuait. D'accord? La Mishnah me dit maintenant, qu'est-ce qui se passe si Nimtsa Haoreg Chelon Erfa Egla? On a commencé le fameux rituel. C'était le grand stress, la grande. Vous imaginez, on apportait, il y avait toute la ville qui venait voir ce qui se passait. On était en train d'apporter l'Egla Rufa. Il y avait le vieux sage de la ville qui la prenait et qui commençait maintenant à se préparer à le faire. Et d'un coup, il y a quelqu'un qui vient et qui nous dit, on a attrapé l'assassin! Waouh! Qu'est-ce qu'on fait avec cette petite génisse maintenant? Elle est déjà interdite. Qu'est-ce qu'on en fait? On la laisse, finalement. La Mishnah vient et me dit, je traduis d'abord la Mishnah, Nimtsa Haoreg. Si on a trouvé l'assassin, Achelonner Faegla, avant qu'on a commencé à énuquer la petite génisse, on l'a pas encore fracassé la nuque. Dans ce cas-là, Tetse Vetir Ebaeder, elle est libérée et elle pourra les paître avec tout le troupeau. Il n'y a plus de Gdoucha, il n'y a rien du tout, elle est permise. Parce qu'elle devient interdite que quand on lui met le coup sur la nuque, concrètement. C'est en réalité peut-être une marloquette, c'est une très grande discussion sur ça, sur l'avis du Rambam. Il y en avait qui nous dit que depuis le moment on commence à la porter en direction du fleuve, du Nahal Etan, dès lors elle devient interdite. Il y en a qui disent que non, si finalement... D'accord, c'est une marloquette concrètement. La Michal va selon l'avis qui me dit, malgré tout, si on ne l'a pas encore énuquée, alors elle reste permise. Par contre, Mishener Faegla, dès qu'on a mis le coup de hachette dessus, et que ça y est, elle est morte. Dans ce cas-là, même si quelqu'un vient va nous déclarer que finalement, ah, on a trouvé le mort, tout ce qu'on a fait maintenant, il n'y a plus de lieu de le faire ce rituel, eh ben non, c'est pas vrai. Tout le rituel qu'on a fait, il reste en vigueur, et de ce fait, cette vachette, elle redevient interdite à en tirer profit, l'endroit devient interdit à exploiter, même la vachette, elle est interdite, je sais pas si ça a été précisé, mais en tout cas, c'est évident. La vachette, on l'enterre sur place, il n'y a aucun profit à tirer d'elle, elle n'a pas fait de fruit, on ne profitera pas de sa peau, ni de ses cornes, ni de rien du tout, telle qu'elle, on la laisse tranquille, et puis elle va reposer en paix. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe si finalement,
deux minutes après, on n'a même pas encore enterré la vachette. Quelqu'un vient nous dire on a trouvé l'assassin. Peut-être qu'on va pouvoir au moins récupérer la peau de l'animal, donner à manger la viande au chien. Non, on lui donne rien, parce que chez Al-Safek Bat Mitrilata, c'est une capara qu'il va falloir apporter lorsque tu as un doute. De manière générale, peut-être que je vais préciser un point important. Imaginez que j'apporte un korban khatat parce que j'ai transgressé une grave avéra. Et on a déjà fait le korban khatat. J'ai transgressé un chiloul shabbat. Ouais. Et puis finalement, une fois qu'on a déjà fait le khatat, qu'on a déjà aspergé le sang, il y a quelqu'un qui me dit « Mais non, t'as pas transgressé, tu t'es trompé. Tu croyais que t'avais transgressé, mais en réalité t'as pas transgressé. » C'est une histoire un peu compliquée. Mais imaginez par exemple, parce que j'ai mangé une graisse interdite. Et donc maintenant, j'ai apporté ma capara. Une fois que j'ai apporté la capara, quelqu'un me dit « Mais pas du tout. » Deux témoins qui viennent me disent « Mais c'était pas le, tu t'es trompé. » Nous, le matin, le même matin, quand t'as fait ton sandwich et qu'il y avait le gras et que tu t'es trompé, t'as pris ce gras. C'était même pas ce gras. Ce gras-là, quand on l'a vu, on l'a jeté à la poubelle, on a mis un gras cachère à la place. Donc dans ce cas-là, tout le corban que j'ai fait, il est nul et non avenu. Ça n'a pas été un corban. J'ai tout simplement transgressé, par erreur, d'apporter un animal étranger dans la Zara, mais ce n'est pas un corban khatat. Les kohanim ne pourront pas le manger. Et tout ça, c'est plus un corban khatat. À la différence, cette fois-ci, quelque chose de différent dans notre Mishnah, c'est qu'en théorie, alors quoi? Tu as énuqué l'animal, finalement il s'avère qu'il n'y avait pas besoin de l'énuquer. Alors peut-être que dans ce cas-là, c'est plus du tout une égla roufa. Peut-être que c'est plus une égla roufa, la Mishnah me dit oui, c'est une égla roufa. Tu sais pourquoi? Parce que cette fois-ci, c'est une capara que la Torah l'a dit a priori que tu la portes à cause de la situation du doute. Si le doute s'éclaircit, ça ne change rien que la capara que tu as fait, elle reste interdite. D'accord? Si vous voulez un petit peu mieux comprendre, c'est comme si que dans mon histoire du corban, imaginez que j'ai en réalité apporté un corban Hacham Taloui. Parce que je ne savais pas ce que j'ai transgressé, c'est un corban que la Torah elle a dit. Dans le doute, tu peux l'apporter. Si finalement il s'avère que j'ai transgressé ou que je n'ai pas transgressé, la capara, ça reste une bonne capara. Parce que c'est une capara que la Torah t'a dit, tu apportes lorsque tu es en situation de doute. Et même si ça s'éclaircit, ce que tu as fait, c'était bien, c'était validé, c'était agréé. Hacham, il a voulu que tu fasses ça quand tu as cette situation de doute. C'est pas que tu as vécu dans l'erreur, tu as porté réellement à cause du doute, tu avais réellement un doute. Le doute, il s'éclaircit, il n'y a pas de problème, ce que tu as fait, c'était très bien. Et donc là, en l'occurrence, la Egla Rufa que tu as fait, c'était une bonne Egla Rufa, elle lui a interdit d'en tirer profit. L'endroit, tu n'as pas le droit d'en tirer profit, même si concrètement, tu as trouvé l'assassin. Ça fait que Bat Mitrilata, parce que c'est une capara, une expiation que la Torah nous a dit d'apporter, même en situation de Safek. Maintenant. Et de ce fait, qui prasse Feka vers Al-Khala, à cause de quelques instants où tu étais en doute. Tu avais besoin de faire une capara, tu as fait la capara, c'était un corban qui a fait sa fonction. La Mishnah continue en me disant, malgré tout, attention, Nerfa Egla, si toutefois on a énuqué la Egla, la petite génisse, Ve'achar kach nimtza oreg, après on trouve l'assassin. Qu'est-ce qu'on lui fait à l'assassin? Il s'est déjà expié peut-être? Non. Areze yareg, on le tuera comme il se doit, parce qu'il est passible de mort. La Egla, c'était une capara pour la ville qui a une certaine responsabilité à endosser. Mais l'assassin lui-même qui a tué, lui, cette capara, elle ne marche pas pour lui. Il va falloir tuer l'assassin, bien évidemment. Ok? C'est tout pour aujourd'hui. C'est une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Selah.